J'en parlais avec, il y a quelques jours avec Laurent Berger, qui était à votre place, le patron de, secrétaire général de la CFDT. Il me dit non, la situation financière du régime des retraites ne plaide pas, ne justifie pas de prendre en urgence, en tout cas, des mesures paramétriques fortes. Parce qu'il me dit, vous savez quel est le niveau de déficit du système des retraites en 2021 ? Vous connaissez ce chiffre ? On ne parle pas de 2021. On parle de 3 milliards et quelques. Non, attendez. Je vous 2 milliards 6, pour être précis. Je ne vous parle pas de 2021. Je vous parle des années qui viennent. Il n'y a pas d'urgence non plus. Ah mais attendez, mais ça se fait que progressivement. Vous n'allez pas passer du 1er mai 2022 au 1er janvier 2023, à 65 ans. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est progressivement, parce qu'il faut aussi respecter les modes de vie, les prévisions de vie des uns et des autres. Ça se fait progressivement. Mais le rôle du politique, c'est quoi ? C'est d'anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et en plus, regardez bien les choses, sur les retraites, vous n'avez pas 36 solutions, hein. À moins de découvrir des mines d'or. Hein, c'est soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on travaille plus longtemps. Voilà. Donc c'est... On baisse le Il faudrait poser cette question aux Français d'ailleurs, en leur expliquant qu'il y a trois solutions possibles. Mais ils le savent. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas eu non plus dans cette campagne la pédagogie. Je ne suis pas surpris qu'on vous dise 62 ans, 65 ans, vous préférez quoi ? Ben moi, je préfère 62. Le vrai sujet, c'est que si on vous explique clairement, si vous ne faites pas ça, soit vous aurez des pensions plus basses, pas possible, soit des cotisations plus élevées, moins de pouvoir d'achat, ben on se dit que si on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps. Pas pour tout le monde. Excusez-moi, mais nos fonctions, nos métiers n'ont pas la même pénibilité que celui qui est ouvrier agricole, qui a le dos broyé parce qu'il a porté du lourd, ou celui qui est derrière un marteau-piqueur. C'est normal que lui parte plus tôt que nous. Cela dit, Xavier Bertrand, le problème du financement des retraites n'est pas un problème de très long terme, parce qu'il y a la bosse des baby-boomers qui vont partir à la retraite, mais une fois que cet effet est passé, toutes les projections du Conseil d'orientation des retraites montrent que les dépenses de retraite en proportion du PIB sont maîtrisées à long terme, notamment parce que d'ailleurs les pensions relatives des retraités vont baisser par rapport au salaire. C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas que les pensions des retraités baissent comme ça a été le cas depuis 5 ans. Je ne sais pas ce que les retraités ont fait à M. Macron, mais ils ne les aiment pas. Ça a commencé, l'augmentation de la CSG pour commencer. La garantie du pouvoir d'achat, ce principe a été violé. Et comme il n'y a pas eu non plus la réforme des retraites, les retraites complémentaires ont augmenté moins que l'inflation. Triple perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est aux mains des partenaires sociaux. Hein. Non, les retraites complémentaires. Oui. Oui, mais attendez, pourquoi ils ont dû s'adapter ? Parce qu'il n'y a pas eu de report de l'âge légal. Ce n'est pas les partenaires sociaux qui, un jour, sont réveillés méchants. C'est tout simplement qu'ils tirent les conclusions de l'absence de réforme de la part de l'État. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas des sujets faciles. Mais clairement, si vous voulez demain qu'on continue à toucher des bonnes pensions de retraite, et pourquoi c'est aussi important ? Parce qu'en France, les pensions de retraite ne sont pas très élevées. Pourquoi ? Parce que les salaires ne sont pas très élevés. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que l'on puisse avoir cette opération de vérité et de pédagogie, vous avez entièrement raison.